Quand Satan veut te tuer, il te donne un paquet qu'on appelle l'orgueil. He gives you a package called pride. Quand on veut sortir, ce n'est pas le parfum pour se balader, ça c'est l'embaumement pour la sépulture. Donc c'est le genre qu'on verse, ça doit toucher tout ton corps. Donc elle a eu la révélation que le Christ-ci, il doit mourir, il va mourir, il va être sacrifié. Attendez, elle n'est pas la seule qui a eu cette révélation. Allons voir une autre. Elle, la différence, c'est que dès qu'elle a eu la révélation, elle a agi. Et Jésus a prévenu l'église que tous ceux qui ne comprennent pas et reportent à plus tard, Satan vient et il enlève la semence. Donc le jour où tu écoutes la voix du Seigneur, l'apôtre qui écrit Hébreux dit c'est le jour où tu dois agir. Mais il y a une Marie-Madeleine qui a écouté la même révélation, mais elle a attendu encore. Le jour où elle est venue avec sa part de parfum pour embaumer le corps du même Jésus, un ange lui a dit, c'est trop tard. Jésus que tu viens embaumer est ressuscité. Mettez ça maintenant, mettez ça maintenant. Quittons la ballon dans Luc. Regardons ça vite, pardon. Luc 24. Je crois que c'est là-bas. Mettez Luc 24, partie du verset 1. Luc 24. Verset 1. Jusqu'à 5. Beaucoup de chrétiens sont comme ça, ils sont comme cette femme. La deuxième femme, c'est. Je vais faire. Si Dieu me donne, je vais faire. Non. C'est quand on est fidèle dans un peu qu'on sera fidèle dans beaucoup. Je vous ai dit que une de mes filles, un jour, elle me dit que, papa, oh, il y a le frère, il veut m'épouser. Je lui ai dit, ok. Je vais te poser une seule question. Il t'a déjà offert quoi? Elle me dit rien. Je dis ne l'épouse pas. Dis-lui que tu ne veux pas. Elle dit non papa, il ne travaille pas. On le prend seulement pour les tâches temporaires. Je dis regarde maman. C'est le cœur qui donne. Je vais vous raconter une histoire qui est vraie. Quand j'ai eu le bac,
Je te partage ça pour t'édifier. C'est pas pour parler de moi. Quand j'ai eu le bac, j'ai cherché les répétitions. Et j'ai fait les répétitions. Et on me payait 25 000. Et j'ai collecté l'argent 2 mois. Je suis allé acheter un ensemble de bijoux pour donner à ma mère le jour de son anniversaire. Donc c'était le quand j'ai donné, je suis parti dans la famille là. J'ai dit, je ne répète plus. C'était la, devant Dieu, c'était la seule raison pour laquelle j'ai répété. Ce n'est pas le salaire qui donne. C'est le cœur. Amen. Quand tu as aimé le vrai aimé, il y a une bague que j'avais achetée à Mama Chou. J'ai gardé ça peut-être combien d'années, même 3 ans ou 5 ans. Combien d'années? Beaucoup d'années. A lot of years. Beaucoup d'années. A lot of years. Je lui.